Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis encore avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle est intitulée « Qui était Joseph d'Arimathée ?» Qui était Joseph d'Arimathée? Arimathée, ville des Juifs, Luc 23, 51. Patrie de Joseph, le propriétaire du tombeau de Jésus, Matthieu 27, 57. Marc 15, 23. Jean 19, 38. Joseph d'Arimathée, juif des environs de Jérusalem, qui n'apparaît qu'à une seule circonstance, relatée par les quatre évangiles, Matthieu 27, 57 à 61, Marc 15, 42 à 47, Luc 23, 50 à 56, Jean 19, 38 à 42. Joseph d'Arimathée était l'oncle de la Vierge Marie, mère de Jésus. Il était riche, membre considéré du Sanhédrin, Marc et Luc, mais un cœur droit, Luc, pieux, Marc et Luc. Messieurs, frères et sœurs, Joseph d'Arimathée, un disciple de Jésus-Christ parmi les 70. Il était un homme riche. Il avait un cœur droit. Mais ce dernier, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'a pas été retenu. Il n'a pas été choisi parmi les 12 apôtres, malgré sa richesse, malgré son lien de parenté. Pourquoi n'était-il pas retenu parmi les 12 apôtres? Il était riche, membre considéré du Sanhédrin. Je vais d'abord expliquer ce que cela signifie. Le Sanhédrin, c'est quoi? Les Sanhédrins, tribunal suprême des Juifs à Jérusalem au temps de Jésus. Il est constitué de membres des pharisiens, des sadducéens, des prêtres et de l'aristocratie, dans l'aristocratie sous les yeux du grand prêtre, l'autorité supérieure. Jules César avait étendu son pouvoir sur toute la Judée. Il pouvait intervenir pour juger les affaires civiles et criminelles et réclamer la peine de mort, laquelle ne pouvait être validée que par les Romains. Voilà, Sanhédrin, c'est un tribunal suprême des Juifs à Jérusalem, au temps de Jésus. Tribunal Oyo et Sambisaki Jésus-Christ. Tribunal Oyo et condamné à Jésus-Christ. Babingarango, Sanhédrin. Alors maintenant les pharisiens. Pharisiens Anini. Classe religieuse puissante du temps de Jésus. Ces fidèles de Dieu insistaient sur les lois et les règles, réclamant du peuple une stricte observance desquels 613 commandements de la Torah. Ils étaient également très rigoureux dans le domaine de l'éthique. Alors, les Sadducéens, un autre parti religieux très conservateur et légaliste, dont l'influence était souvent en rivalité avec celui des pharisiens, notamment sur des questions de doctrine. Ainsi ne croyait-il ni à la résurrection, ni à la doctrine des anges et des démons.
Pour eux, la prospérité ou l'adversité dépendait du comportement du croyant. Pour Nabango, on a discuté avec les pharisiens, surtout dans la question de la doctrine. Mais non, la doctrine des anges et des démons, il existera la résurrection, existera tout, 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 tout. Bozu a moto dépendant ka na force na ye. Alors, une aristocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir est officiellement détenu par une élite minoritaire mais dominante. Forme de gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes constituant l'élite, c'est-à-dire une classe privilégiée. Mais il y a un notable, non, un noble. Bandeko, si tu as la chance de suivre cette prédication, il serait souhaitable yako bandelango deux fois, trois fois. Comme ça, tu vas comprendre. Au bandoye, babiloko, il y a un expliqué que malembe. Prêtre. Prêtre signifie ministre d'une religion. Grand prêtre. Pendant la période du Second Temple, le grand prêtre exerça souvent la charge de président du Sanhédrin. Charge de président du tribunal. La Torah. Selon la tradition du judaïsme, l'enseignement transmis par Dieu à Moïse, c'est-à-dire ensemble des cinq livres, ensemble des cinq livres sacrés du judaïsme, Ésaïe, la Genèse, l'Exode, les Lévitiques, les Nombres et les Deutéronomes. Biloko mitano oyo. Yangonde oyo. Ezama kasiming na Torah. Eza biloko penza bango babane ko respecter rigoureusement oyo ya Moïse. Les cinq livres, oh, you know, on le sait, les cinq livres sacrés du judaïsme. Le judaïsme est une religion monothéiste, c'est-à-dire que ses croyants croyaient à un seul Dieu. Lisons dans Luc 23. 50 à 56. Mes chers frères et sœurs, pour comprendre cette histoire de Joseph d'Arimathée, nous allons lire dans l'évangile de Luc 23, 50 à 56. Lisons dans 50-51. Il y avait un homme appelé Joseph, qui était de la localité juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste, et espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. 52. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. 53. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans les rocs. Un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. 54. C'était vendredi et le sabbat allait commencer. 55. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. 56. Puis, elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Les jours de sabbat
Ils se reposèrent comme la loi l'ordonnait. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un homme riche, membre du Sanhédrin, ne s'était pas associé aux autres membres du conseil dans leur décision de livrer Jésus à Pilate. Pilate, c'était un gouverneur de la province de Judée et nommé juge. Jusqu'à présent, s'il avait été disciple en secret, à partir de maintenant, il acceptait de courir des risques. Il se rend courageusement vers Pilate et lui demande la permission d'ensevelir son Seigneur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, essayons d'imaginer la surprise du gouverneur et la stupéfaction des Juifs devant la démarche officielle de ces membres du Sanhédrin qui prend publiquement la défense du crucifié. Mes chers, Bandeko Nakati Nankolo. Joseph d'Arimathée, tant que Bazoki décision wana, yé a participé qui n'angote, parce que a sepe la qui n'angote. Mais, Atali albi me, kora Jésus si kouba ke nango wapi. Bako sala nango nini. Bako ki nango place mwa mabe. Ba sabote ango. Entre temps, il était l'oncle direct. Ya Marie, mama, ya Jésus Christ. Donc, pardon. Biloko wana pe lien de parenté et yé lié la motema. Nzambe pe a côté lié na motema. A bangite a tche vina yé la risque. Parce que na tang wana ba romè ba kwa kozwa décision. Ya ou kangaye pe koubomaye. Mais est-ce que bah parce qu'il reçoit pas une bonne mingi parce qu'il était riche. Yo mo yé bino mo yé bi mutu soza na bonne mingi même la famille za mona muke ba ko respecter yé. Est-ce que pourquoi ba kanga ki était? Parce que tant ou yazo soit décision ya ko niko senga yango. Cela veut dire a zupé décision ya ko quitter Sanhédrin libela. Bandeko, avec une démarche officielle, mais une démarche aussi pénible. Ndeko, ce qui nous a mis à côté de notre thème, c'est que nous avons dit que David na Goliath, tant que tali ah, mais après, mais non, nous avons gagné. Et maintenant, on a gagné. Dans un certain sens, Joseph signe son arrêt de mort économique, social et religieux en prenant soin des corps de Jésus. Par cette action, il se désolidarise, il se sépare définitivement de l'institution qui a tué le Seigneur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pilate lui délivre l'autorisation demandée et Joseph, avec beaucoup d'amour, prend le corps et l'enveloppe dans un drap de l'ENF dans lequel il met également des aromates.
Puis il les dépose dans les sépulcres neufs qu'il s'est fait tailler pour lui-même dans les rocs. Il ferme ensuite l'entrée du tombeau à l'aide d'une grande pierre, semblable à une meule de moulin, qu'on fait rouler dans une ornière creusée dans les rocs. Mes chers frères et sœurs, Azuli banga mukwa munene. Tant qu'on a quitté ici Jésus-Christ dans le tombeau, Azuli banga mukwa munene. A posé moi. Mais yé a yé bakiteke. Jésus-Christ a l'obaka. Nabapotre na yé. Et nabat moussoube ba yoga kiango na panabangokuna. Que après trois jours, a kose quoi. Ne konangaï ba retenir yé te parmi les douze. Mais aza toujours namour. Soko lingi moutou. Mais biso lelo longola mondimi kende pa mususu ou bien atiki yo akopeso sumbotete mais il se dit être chrétien ou elle se dit être chrétienne akopeso sumbotete o komi nemi na ye koye bali lo bate da passé atiki ministère ako peso le subotete okomi nemi na ye soko sala ki quelque chose ya bien pa na ye abosani pe libela quelqu'un mais ye Joseph d'Arimathée il n'était pas retenu il n'était pas choisi mais amour est égal toujours amour est égal toujours alors ba kite ngai vraiment noko ya mama na yo ozu ba tout bon ozu nga te nga na wesili alobaki amote au contraire ye mutaza ko assister ye na ba peine nyonso Dieu est amour bongo yo mutozo landanga Dieu est amour bongo yo sikoyo l'amour de Dieu et l'amour du prochain to teka ngo lernios yo sikoyo mes chers frères et sœurs il ferme ensuite l'entrée du tombeau à l'aide d'une grande pierre semblable à une meule de moulin qu'on fait rouler dans une ornière creusée dans les rocs. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, des siècles plus tôt, Esaïe avait prédit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Esaïe 53, 9. Nde konangaï, le loyo, to yebite sou ma prophète bazalaga de soussou. To yoga kaka, ba prophète ba kouma ba okote ya. Mais ma prophète, ma révélation est à la kate. Mais tant là, ce qu'il y a ma prophète, Esaïe. Balobini ni awa, Esaïe avait prédit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Esaïe 53, 9. Oyo yé a prédit, et kokisami. Donc, ma potre, bazala souste, ma prophète, bazala souste. Jamais ma kamoise le kana Congo prophète en l'épisode t'as la révélation dans Zipo Naboy. Si on a pas une révélation, il y a le kuta. Ma kamoise ba corona ba nini, tozo ka ba prophète ité. Tozo ka ba prophète, oh, nzamba lo belinga, so ki musicien na jibe piana, so akibita okufa. Oh, olomi nzamba lo belinga yi, ba tuna lo kuta. Loba na biso ni kamongo oyo likambongo ya grave eko kokisama oyo to sentir ke uti pa nzambe yoko no lobla biso ba kofi ba tuana ba tuana ba za nzambe est ce ba tuana ba za nzambe
Deutéronome 39. Est-ce que vous avez un Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ses ennemis avaient sans doute prévu de jeter le corps de Jésus dans la vallée de Hinnom, où il aurait été consumé par le feu qui brûlait en permanence ou dévoré par les renards. Mais Dieu a déjoué leur plan et a utilisé Joseph en sorte que le corps de son fils soit dans les tombeaux d'un riche. Ndé ko nangai. Bako sa la yo plan ya ma B. Plan peut-être ya ma B. Omuna nzamba déjoué plan ngo. Bazulu kayo ezo simbaté, bazo kokaté. Asala ki tuyo kufa. Asala ki tuyo bakanga yo. Bacho na prison kufa kuna. Nzamba déjoué ngo. Nzambe a déjoué ngo. Okomi mbala moko mitelengano. On va donc comprendre les sous-moukilités. Dieu est amour. Dieu est juste. C'est le seul juge juste. Deko. Zala d'amour, zala bolingo. Ceux qui ont juste, bazo salo mabe, bazo lukona mabe. Nzambe ko confondre bango même so baza 1000 nzambe ko confondre bango tango yo za juste tango bazo kena lokuta po ba saloma be nzambe ko déjouer yango ndinga déjouer oyo bango ba iba ike kora Jésus to ko sakana ngwa après la mort mais bamona ka mutumoko abimi boy ba bazo banga epe mutumoko mbongo Joseph d'Arimaté ayo pesa na koro asenya ngoto ba tali ya lui bo pesa ngango Bazuko va pécier. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, après le départ de Joseph, Marie de Magdala et la mère de Jacques et de Joseph restent sur place vis-à-vis des sépulcres pour veiller. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que Joseph d'Arimathée était un homme riche et plein d'amour. Mais pourquoi n'était-il pas choisi parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ? Il était parmi les 70 disciples de Jésus. Mais en secret, par crainte des Juifs, Luc 10, 17-24, quelle que soit sa richesse, son cœur droit, plein d'amour et son lien de parenté, mais il n'a pas été choisi parmi les 12 apôtres. Voir Matthieu 10, 1 à 4, je crois. Ce que vous tenez dans Matthieu 10, 1, 4, kuna. Bon, au moins, combien il y a. Il y a l'apôtre à Jésus-Christ, mais combo il y a Joseph d'Arimathée et Zathée. Neko, Azala qui n'a pas de bon, mais tout est bien. Mais il suivait les enseignements en secret. Abanakou l'an d'enseignement, il y a un secret. Pendant que Banga, il y a un juif qui n'a pas de moussousou. Parce que bon, on a sangana, ba pharisien, ba sadicéen, na ba aristocratie, ba gondi on sowana, ba mona yo, okende, et pa ya moutou, oyo. Et parmi ba gondi soussou, docteur Nicodème, le docteur Nicodème, oh ya kina wotana Jésus-Christ na boutou yepe, yepe ba na osalakuna, na sanedre. De toute façon, tant que ba soki kor ya Jésus-Christ, yepe, Azalaki côté ya Joseph d'Arimathée. Na pesa kibino ba 4 évangiles ya kotanga, so botangi bomo na pe kombo ya Joseph d'Arimathée. Pardon, ya Nicodème, le docteur de la loi de Dieu.
bomoni ni kabeme mimi dikodem akina utole na butu pona kubanga ndenge ye abana ulanda banseignement na kubanga parce que abana ah mais petit neveu yaza asa musika mais makambo yo Jesus lo mais c'est incroyable alinga ki mateya mingi mazo landa ngo na secret na bobangi ndenge pe Nicodem akendaka ko tuna ye ba question na butu ah mais moto yo na comprendre te ata mona na bazo ba péché ba nini mais makambo za na ngo zo loba mais non alors yawa bo bible zo loba na nini ya samarité parabole du samarité il est parti tester akine ko tester ye abi mais non donc bango nyuso ba leko na mso pe na ko bo mama mais batanga mate un homme riche plein d'amour. Mais pourquoi n'était-il pas choisi parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ? Il était parmi les 70 disciples de Jésus. Mais en secret, par crainte des Juifs. Luc 10, 17 à 24. Quelle que soit sa richesse, son cœur droit plein d'amour et son lien de parenté, mais il n'a pas été choisi parmi les 12 apôtres. Voir Matthieu 10, 1 à 4. Il y avait en lui de nombreuses absences et retards injustifiés pendant que ses collègues disciples suivaient les enseignements. Non-respect de l'air. Donc, le coup, la zone a secret, la zone a kimiaté, la zone a pédicarité. Abandonnez-vous à l'absence injustifiée, bah, retard, paix, injustifiée. On a dit que c'est y a après. C'est pour cela, bande Konangaï. Ba fidèle nanga, ba disciple nanga, baza ko yoka. Et pa nanga bazo landa ba enseignement. Na yebisa ibango, ponga moutou la yebi di loba. Osali trois retards injustifiés na longo liyo. Osali deux absences injustifiées na longo liyo. Si tu retires la 12, tu retires la 12. Ba on asi na longo li, ba se bake. Bandeko, boye bingate, bindo landa nga. Et pas nanga na makamanzambe, ma sekezate. Et pas nanga na makamanzambe, ma sekezate. Unga uyo, ou bien ngam tu la yebi, ou bien yo. Alors, si on ngam tu la yebi, oko rando gana zoloba. Si on yeli, oh mon mari, oh ma femme, dehors. Nenge Jésus Christ asana ki yao. Si on basen nanzambe balanda kaboye, nena beglise, makamamalo wam tu yeli. Il était considéré par ses frères du groupe comme un hypocrite. Matthieu 15, 7 à 8. Tout le cas, dans Matthieu 15, 7 à 8, c'est le bini. Voilà. Matthieu 15, 7 à 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, dans Matthieu 23, Balobini, Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ici, on parle des hypocrites. Alors, 23, 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Gehenne? Mes chers frères et sœurs, Awa, ils ont parlé n'a pas hypocrite. Matthieu 23, 27 à 28. Frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Les évangiles présentent le seul cas où Jésus utilise la force physique contre les hommes. Alors Matthieu 21, 12 à 13. Matthieu 21, 12 à 13.
Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Mes chers frères et sœurs, les autres membres de l'église, batubazo ya koteka biloko, pasteur pe aza wana aza komona, mama pasteur pe complice, alors c'est malheureux. Matthieu 21, 12 à 13, Jean 2, 14 à 16. Frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. En d'autres mots, si un rassemblement devient un pandémonium et un lieu de désordre, soyez certains que l'Esprit de Dieu ne maîtrise pas la situation. Un pandémonium, c'est-à-dire la capitale de l'enfer où Satan convoque les conseils des démons, lieu où les esprits démoniaques se rassemblent autour de Satan. C'est ce qu'on appelle pandémonium. Et pas nous qui n'est pas une église, nous sommes une église, c'est un pandémonium. Voilà. Lisons dans Éphésiens 5, 16. La marche dans la sagesse nous appelle à rejeter les temps, à faire usage de toutes les opportunités. Chaque jour, il y a des portes ouvertes et un large potentiel. Racheter les temps, c'est-à-dire vivez dans la sainteté au vu de tout le monde par des actions de compassion et des paroles réconfortantes. Cela est d'autant plus urgent que les jours dans lesquels nous vivons sont mauvais. Il nous rappelle que Dieu ne contestera pas toujours avec l'homme, que les jours de grâce prendra fin, que les occasions de rendre un culte à Dieu, de témoigner de sa foi et de servir Dieu sur la terre seront bientôt terminées à jamais. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3, Ndekonangai, Omi Bongama. Yo kanisi mikolonios, yo banotanga la Bible, mikolonios. Yo kanisi mikolonios, on a toujours la foi. Mikolonios, on a prié Dieu. Te, il y a un temps pour tout. Et ça, nous avons dit que la Yokoufa, okende na lola. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup. Nzambe apambola bino na matea oyo bolanda yango na boke binyonso. Merci. Au revoir mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tokutani lisusu prochainement. Nzambe apambola bino. Merci aussi de votre patience. Merci.